Théorie philosophique, les mythes et les légendes seraient des événements réellement survenus dans le passé. Ces personnages et ces héros ont été sacralisés avec le temps, et l'histoire est devenue légende, puis la légende est devenue un mythe. La représentation des mythes et des légendes sont-elles vraiment fidèles? Nos héros sont-ils à la hauteur de nos attentes une fois peints sur la toile? C'est ainsi que les femmes ont pu découvrir leur représentation sous un regard masculin. La représentation féminine est souvent biaisée. L'histoire se perd à travers la représentation des femmes, de leur corps et de l'image qu'elles dégagent. Mais alors que devient la réalité? Si ces légendes se sont réellement déroulées, devons-nous les oublier pour le plaisir des yeux? C'est autour de ces questions que le projet Désir a vu le jour. Il vient d'une envie de jeunes étudiantes de réinterpréter ces toiles. Nous désirons nous approprier ces récits et vous les raconter par le biais d'art vivant pour que l'histoire, les mythes ainsi que les légendes à jamais ne perdurent. Bonjour, je m'appelle Nina, j'ai 21 ans et je suis danseuse en formation. Et du coup, mes passions, c'est le mouvement, la danse, la musique, le spectacle. Et... Les arts vivants. Bonjour, je m'appelle Théo, je suis musicien. Alors, actuellement, je suis au Conservatoire de Bordeaux en cursus de jazz. Et puis, de mes passions, principalement la musique, on va dire, et puis tous les projets qui tournent autour de ça. Ça a été un peu transmis par mon père qui est musicien et qui m'a transmis ça dès tout petit. J'ai baigné dans la musique, on va dire. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai voulu pousser ça à un niveau beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel. Et c'est pour ça que maintenant j'en suis là. je suis plus calée niveau danse, donc je vais parler pour la performance circassienne. En tout cas, concernant la performance, je dirais que c'est essayer de faire passer un message et que ce soit il y a un rapport de corps à corps. Généralement, enfin, c'est plus dans des. Ça peut prendre lieu dans des musées, dans la rue. Et il y a vraiment, je pense, une notion d'interpeller directement les personnes et que ce soit plus dans les sensations. Directement plutôt que par exemple un tableau, ça peut être de la sensation, mais ça reste un tableau et quelqu'un, alors que là il y a deux personnes qui peuvent être face à face. Je pense que c'est une question compliquée. Je me suis dit que ça m'intéressait beaucoup, déjà par rapport au sujet qui est lié au côté féminin et à l'art aussi. Et mine de rien, je me suis senti un peu touché, un peu impliqué par rapport à ce sujet. Même si on va dire, je suis un gars et que ça ne peut pas forcément me parler, mais justement en fait, d'avoir un peu tous les avis, toutes les perspectives, je trouve ça hyper intéressant. J'ai accepté d'y participer parce que ça me tient à cœur de ramener du vivant dans des grandes enseignes telles que le Musée des Beaux-Arts, et que les arts vivants, ça me tient beaucoup à cœur, et que je trouve ça important aussi d'arriver à mélanger ces milieux et ces cultures et de redonner aussi un nouveau regard, un nouveau souffle sur des peintures qui ne vont pas nous apparaître du tout de la même manière si on vient les regarder et qu'on est pensif devant, et on peut avoir des explications, et que avec d'autres artistes qui apportent un nouveau regard et une nouvelle perspective, je trouve ça super intéressant. Et qui plus est, l'histoire de la représentation féminine dans l'histoire, c'est une question d'actualité et c'est une question qui se pose aussi. Parce qu'il faut remettre en question les regards qu'on a pu avoir et afin de redéfinir de nouveau et savoir d'où on vient et pourquoi on en est là et comment on peut améliorer pour la suite. Je travaille beaucoup sur l'improvisation et je me suis beaucoup aidée de supports comme la musique ou comme là c'est des tableaux, comme des dessins,
essayer de voir comment, à partir de textes aussi, on peut travailler et travailler de différentes manières, que ce soit sur les sonorités, sur les textures et voir comment on peut retransmettre ça dans le corps. Pour travailler, j'aime bien me baser sur l'improvisation et travailler avec différents matériaux de base, que ce soit me baser vraiment sur la musique ou alors sur des textes, sur des images, des photos, des peintures. Et du coup, essayer de trouver des éléments là-dedans différents à chaque fois et voir comment je peux les retransmettre dans le corps, que ce soit ma propre sensibilité et sinon, s'il y a un message plus particulier que je veux véhiculer, comment je peux puiser dans d'autres formes d'art, parce que je trouve que l'improvisation est très importante et très bénéfique. Alors, ça va être beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube aussi un peu. Et puis voilà, sinon, moi je me produis sous le nom de Taz, ça va être mon nom d'artiste. Et après, voilà, je vais tourner avec divers projets comme j'accompagne une chanteuse où ça va être dans l'esthétique électropop. Donc la chanteuse s'appelle Bonjour Colline. Et sinon, à côté, j'ai aussi un groupe jazz qui va s'appeler Black Bass Quartet. Eh bien, ces temps-ci, je suis en cours. Car j'ai la chance d'être en formation et de pouvoir pratiquer tous les jours au centre de formation à Dage. Mais sinon, sur scène, je ne sais pas encore quand est-ce que ce sera possible. On va bien savoir, mais je pense pas que ce soit demain cette année. Thank you.
Thank you.
Thank you.